Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Persépolis raconte l'enfance de Marjane Satrapi dans les années 80, sur fond d'histoire politique de son pays, l'Iran. Ce récit, elle l'a d'abord rapporté dans l'un des plus grands succès de la BD alternative, avant de l'adapter sur grand écran en 2007. Entre la peur des bombardements, la répression du régime et l'espionnage des voisins, la vie poursuivait tant bien que mal son cours. Enfant rebelle, Marjane veut s'affranchir des diktats. Elle préfère le rock, la lecture et Bruce Lee. C'est quoi ces chaussures de punk ? Quelles chaussures de punk ? Ça, là ! Mais c'est des baskets ! Cette forme, c'est punk ! Au détour de cette quête de liberté, elle nous raconte aussi sa découverte du travail, de l'amour et de l'amitié. J'avais survécu à une guerre, et c'est une banale histoire d'amour qui a failli m'emporter. Persépolis ressort aujourd'hui en salle en version remasterisée, l'occasion parfaite pour le découvrir ou le revoir.